c'est pourquoi. Notre budget récolte suffisamment d'activités d'études et faisabilité pour l'ouverture et l'aménagement des pistes importantes afin de sortir une communauté du désenclavement. À cet effet, des actions structurantes sont mises en œuvre. Il s'agit par exemple au plan agricole de la mise en œuvre du projet PADAM pour l'aménagement de 150 hectares de bas-fonds à Omalibé pour la production du riz et le maraîchage et l'aménagement et le rechargement systématique de la piste à l'Oué, au centre. Il faut noter que le PADMA a fait 12 aménagements sur 14 attendus. Nous espérons alors, pour la deuxième phase du PADMA, la mise en service de la boutique de vente des trains agricoles spécifiques pour conjuguer au passé le manque des trains. Au plan du transport rural, afin de faciliter le coulement des produits agricoles des champs vers la maison puis au marché, le budget communal fait de son cheval de bataille l'aménagement de plusieurs pistes, dont les procédures pour recruter des cabinets d'études pour la réalisation des études de faisabilité en cours. C'est le lieu d'inviter nos concitoyens à la patience. On ne saurait aménager une piste sans en évaluer les ouvrages dont elle a besoin pour la durabilité et le coût de réalisation. À ce sujet, je félicite les cadres techniques pour la qualité du travail abattu, puis les hommes à redoubler plus d'ardeur pour la satisfaction des besoins de nos artistes. Toutefois, dans le cadre des entretiens périodiques, la CIRAD procède à chaque fin d'année à l'entretien de certaines de nos pistes. Plus de 94 km de pistes ont été emprisonnées au titre de la campagne agricole 2023-2024. Certes, il reste à améliorer la qualité des dix travaux pour faciliter la circulation. Au plan de l'éducation, les modules de salle de classe sont construits pour améliorer les conditions de vie de travail aussi bien aux apprenants que le corps enseignant. Ainsi, le module de 3 salles de classe avec bureau, magasin, équipement et la suite d'un puits réalisé à Avoudois Bidji est sanctionné et sera mis en service à la rentrée académique 2024-2026. D'autres modules de salle de classe, un bureau, magasin, équipement et la prime d'EPI sont en cours de réalisation à l'UPP de Kaïkoui, d'Ajaïbourou, d'Aloya et de Kaou, puis à Yann, d'Anoukandi et de Malibé. Il faut ajouter que 1743 tables bancs sont commandées, dont 500 sont déjà réceptionnées pour pallier le problème de manque de bancs dans certaines écoles. Cet objectif sera disponible avant la rentrée académique 2024-2025. Une case numérique est construite par le gouvernement à l'EPP de Agbadi et en train d'être mise en service pour faciliter l'accès au numérique aux apprenants et enseignants. La procédure pour la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires sera bientôt lancée. Ces travaux concernant certains modules de salle de classe dans les CPP de Adagoué, Imbadjino, dans le centre d'Awada et de Balem du centre, de Géroué, de Razi, de Tangi et de Gizoué A. L'exposition sont prises pour la clôture de l'EPP de dans le centre. Les infrastructures marchandes sont progressivement renforcées à travers la réception de 4 hangars dans le bâtiment de Rassamé. La construction en cours d'un module de 5 boutiques sur le site du marché de l'Agno et sur la façade du marché de la Boucandie. Le processus de la reconstruction du marché mondial de Rassamé évolue à grands pas. Les démarches sont en cours
pour l'occupation progressive des places dans le marché de l'âme centre. Dans le domaine de la santé, des travaux de réhabilitation du dispensaire du centre de santé de Taou sont en cours. D'autres contrats sont déjà même approuvés pour la construction d'un module de latrine à 4 cabines dans les centres de santé de Chito et de Taou et la réfection des patients dans les centres de santé de l'Arsan, la Samizali, sans oublier la construction d'incinérateurs dans les centres de santé de l'Ado, sans à Nougandi et à l'unité de la garde de santé de Soumoukou. Ces réalisations permettent de faciliter les prestations rendues aux populations communales et installées en dehors des centres octroyés à la commune par le gouvernement de son excellence. Monsieur le président de la République, Patrice Athanase Boutalon, sans oublier les 80 qui sont en attente d'être déployés. Au plan administratif et infracommunal, la réhabilitation des bureaux d'arrondissement de Banigui avec la construction d'un module de latrine d'appui à 4 cabines est en cours et en même temps que la construction d'un module de latrine d'appui à 4 cabines au niveau des bureaux d'arrondissement de Massabi. Les dispositions sont en cours pour la construction d'un nouveau bâtiment pour servir de bureau d'arrondissement de la Tomalibo. En outre, il y a eu l'acquisition partielle de matériel informatique pour le mobilier des bureaux au profit des services administratifs. La procédure pour la réalisation de la clôture de la façade principale de la mairie avec Berit sera bientôt lancée sans oublier l'aménagement de la salle de réunion de la mairie et de certains bureaux du nouveau bâtiment administratif. Honorable député de l'Assemblée nationale, honorable conseil communal, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, je saisis cette occasion pour remercier le chef de l'État pour le démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie Lalo, Kouba, Madré, Dougou. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir pour son accomplissement à la commune de Lalo. Toutefois, de cette tribune, je voudrais humblement en appeler à son attention les portants de la voie, l'Ado, Provigré, Modamé, à donner qui fera de l'Ado une ville carrefour. Je réitère ici le soutien de la population de l'Ado, chef de l'État, pour les réformes courageuses entreprises par son gouvernement pour le bonheur de tous les peuples de l'Ivoire. Elle favorise la restitution réelle de la richesse nationale. Honorable député de l'Assemblée nationale, conseil communal, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer sans exhorter les uns les autres à accompagner convenablement le chef de l'État et son équipe. C'est un impératif, un défi pour sortir de la commune et sa litargie. Le gouvernement a fait des efforts et l'esprit de notre détermination à œuvrer pour le développement de notre chère et unique commune. À ce sujet, l'île de la Déto, c'est le seul moyen de ne pas voir notre commune de l'Alo disparaître de la carte de notre pays au profit du haut commune. Nous en sommes tous conservés, élus locaux, artisans, société civile, sages et notables, jeunes et adolescents, grands et petits de toutes situations socio-professionnelles. Je voudrais remercier une fois encore les membres du conseil communal pour leur dévouement et l'accomplissement de la mission et la nôtre. Je suis pour ma part convaincu et les réformes structurelles engagées dans le secteur de la décentralisation sont déjà couronnées de succès. J'ai foi à l'avenir et je reste rassuré que nous travaillerons en parfaite harmonie sans relâche pour le développement et le rayonnement de notre commune. Je ne saurais descendre de cette tribune sans vous informer
des dégâts causés à leur chère population par les invasions subites du mois de juin qui ont impacté 801 ménages pour 3768 personnes, dont 860 enfants de 0 à 5 ans, 1396 enfants de 5 à 14 ans, 82 femmes enceintes, 39 handicapées et 265 personnes du troisième âge avec 236 habitations et plus de 1551 hectares de cultures emportées. 6 arrondissements sur 11 sont touchés par ces inondations. Face aux cris de détresse de la population sinistrée et au nom de la commune, j'ai adressé plusieurs institutions de la République et aux ONG des demandes d'assistance qui ont commencé par porter leurs fruits. C'est le lieu de remercier la Croix-Rouge, le plan international, le Médecins sans frontières MSF, l'Agence nationale de la protection civile, ADPC, l'ANSCOP, la coordination de la zone sanitaire actuelle, l'UNICEF, etc. Sans oublier nos compatriotes Félix Aroki et François Dessou pour leur regard bienveillant envers nos sinistrés. C'est sur cette note d'exhortation et d'espoir que je souhaite à tous et à tous une bonne fête le dépendant 2024 dans la sobriété. Vive le Bénin, vive la l'eau, bonne fête à toutes et à tous. Soyez bénis. Population, là, l'auteur, au moment où on est gagné, le pépin, élu le groupe personnel mérite au diable de Godouma, au collège, là, l'auteur, le gagné, le pépin. Et de notre délégation, j'ai dit mérite, j'ai dit Mesmet. Merci, j'ai dit Mesmet.